font gros exercice là parce que le président nous en face un projet de loi. Le projet de loi n'est dit que son bagage sorti de l'exécutif. Arrive à l'article 6, président, nous pouvons moi-même essayer de comprendre 6 de plus 5. Mais ça veut dire aller à partir de l'utilisation des verbes. Président, c'est le verbe qui détermine l'action. Il s'agit d'un verbe d'état. L'état de l'information a pour objet d'informer. L'état de recevabilité consiste à instruire et à décider. L'état d'accompagnement permet d'aider. Je laisse l'étape de certification parce que là, il s'agit d'un jury. Donc, bagala pour l'autre niveau. Président, maintenant, vous connaissez que ce type a gagné par une proposition, mais nous sommes dans les débats et la commission doit tenir compte des interventions. Président, déjà, nous discutons sur l'expression salarié, alors qu'on n'a pas eu de candidature. Est-ce que vous faites une proposition? La proposition président m'a privé, moi je suis parti déjà sur l'affaire de candidature et salarié. Donc pour les salariés, président m'a proposé des commissions, vous avez des candidats tout simplement, qui va remplir au nom. Maintenant, président, ça me plaît. L'instruction, instruire, c'est l'instruction. Enquête qui portait sous dossier, qui dossier, parce que candidat, on va l'informer sous culture générale, on va l'informer sous expérience, ça la parle roi, c'est sous nous va l'instruire. Donc, sous nous va l'instruire, on va rentrer une rédaction, on va le voir, parce que l'instruction, tout signifie une rédaction. Président, moi-même proposer que nous tout simplement enlever l'étape d'accompagnement parce que automatiquement le ministre de recevabilité, c'est jury qui est prononcé. Parce que document, depuis nous avons recevabilité, il y a instruction. Instruction veut dire qu'au document qu'a présenté. Et document, ça, c'est jury à quoi le prononcer sur lui. Donc, moi-même, pour le président, pour le président, c'est l'étape d'accompagnement qui fait pléonas au lieu de redonner. Président, membre du bureau, distingué commissaire, collègue de l'Assemblée. Président, commission a exprimé niveau de responsabilité que nous avons gagné. Nan adopté yon nécessité comme ça. Moi, considérer ça comme une nécessité collective qui soit un rappel de l'ensemble de sommets qu'on a fait sur ça. À côté de la question de l'Église président, oui, collègue, pour les deux parler de lui, la question de l'extradition, dans le rapport à la présidente, la question de l'extradition, côté commission précisée, la législation haïtienne doit préconiser les mécanismes adéquats à la coopération d'Haïti avec les États étrangers, notamment en favorisant des mécanismes d'entraide judiciaire extradition. À quelle page je suis dans la première page, troisième page, quatrième paragraphe. Donc, président, la question de l'extradition, pareil, ça a définitivement, il faut que nous-mêmes, comme Assemblée, les législateurs font statuer sous lui. Chaque fois nous extraditions, ça l'a dit dans la coopération avec l'étranger. On nous a levé là, dit tel fort que c'est pas bon. Et puis, il y a eu du Churchill, il a retiré dans le pays. Président, il faut que nous statuions sous sa bonne d'État pour situer tout bon. La question de l'extradition en Haïti, ça l'a dit. Bien sûr, monsieur le président, tout simplement. Comment? Ah bon, si c'est anticonstitutionnel, je ne sais pas, mais dans le rapport de la commission, il parle d'extradition et bon, le ministre parle de traité et le président se fait intéressant aussi qu'on ait les commentaires
du ministre à côté, des commentaires de la commission, le ministre est là pour ça, et le ministre vient de signaler qu'il y a un traité sur l'extradition en Haïti et les États étrangers. Donc, la commission, ok, bon, le ministre est dans ses commentaires, viendra avec. Président, l'intervention, pardon, surtout, c'est par rapport à. Le rapport n'est pas. Oui, le rapport est numéroté. Par rapport à la page 3 du rapport de la commission, le paragraphe dit, président, l'organisation de l'UPLEF s'articule autour de conseils d'administration de 5 personnes nommées par arrêté présidentiel après approbation du Sénat et le directeur général nommé par arrêté présidentiel sous recommandation du ministre de la Justice. Président, bagaille ça a arrivé en pile dans une institution ici et nous ne pouvons pas répéter, nous ne pouvons pas qu'être institution président, nous ne pouvons pas ça là, même taka fait on a fait deux fois. Ou pas qu'il y ait institution d'administration publique en Haïti, président, qui gagne un conseil d'administration et un directeur général. Dans pile institution qui fonctionne comme ça, ou pas jamais entendre conseil d'administration et directeur général là, qui toujours paraît superstar. Président, l'important, Jean-Paul et Soutil, avant d'entrer dans la loi, mais il faut que la commission a déjà situé nous sur ça. Dans la structure organisationnelle du CREFLA, ce n'est pas le directeur général qui est superstar. Après le directeur général du CREF, à battre un bout dans ces boucles-là, il n'est pas comme ça, président. Et il faut être clair sur ça. Là, le directeur général, là, c'est pas lui-même qui est le premier responsable du CREF. Et le conseil d'administration, hein, sur un rapport commission, il est supposé gagner la gain. L'approbation du Sénat. Mais là, il y a une proposition de l'État sur cette question. Donc, non, président, c'est moi qui vais situer le collègue. Il ne s'agit pas du directeur général, il s'agit du conseil d'administration. Donc, nous devons cibler le directeur général, le cadre du président, pas le directeur général. Et encore, président, pour avancer, président, tout débat qu'on fait là. Et comme ministre là, le rapport de commission c'est le numéro de base. Moi, le président, une question que j'ai posée à l'exécutif là via ministre là et commissaire. Déjà, pour qui ça, c'est sous tutelle ministère de justice là. Pour qui ça? Merci.